Vous nous avez dit, pour reprendre votre terme, comment la philosophie d'Uber, puisque vous avez parlé de philosophie, repose sur le non-respect de la loi, le non-respect du droit du travail, des réglementations, l'utilisation de mensonges pour faire pression sur les décideurs afin d'influer cette loi et de construire une loi en fonction des intérêts d'Uber. Il se trouve, comme cela a été dit, que nous sommes justement en train d'écrire une législation européenne qui va concerner directement Uber, puisqu'elle vise à forcer les plateformes telles qu'Uber à respecter leurs obligations d'employeur. Et je vous le dis, que nous subissons au quotidien depuis des mois les assauts d'Uber et des plateformes qui usent de toute leur influence pour saboter cette directive d'ici son adoption. Est-ce que vous considérez que le modèle social européen, avec son droit du travail, ses protections sociales, c'est pour Uber un adversaire? Uber a dit très clairement aux analystes, aux investisseurs, que le modèle qui repose sur le statut d'indépendant, ça reste le socle de leur modèle d'entreprise et ça reste l'avenir. Malgré le fait que la tendance va vers un minimum de protection sociale. Aux investisseurs, on disait, donnez-nous vos milliards, vous aurez un retour sur investissement sans précédent. Aux clients, on leur disait, avec Uber, la course sera de haute qualité, vous aurez votre chauffeur privé, rien que pour vous, à des prix défiant la concurrence. Aux chauffeurs, on leur disait, mais venez avec nous. Souvent, vous venez des banlieues défavorisées, mais nous, on vous voit. Vous aurez un salaire digne. Eh bien, madame la députée, dans ces trois publics, il y avait toujours un des trois qui allait être le dindon de la farce. J'estime que oui, le modèle social européen, si vous voulez des profits tout de suite, ben forcément c'est un adversaire. Mais si vous êtes là pour le long terme, ça peut être profitable. Place du Luxembourg, en face du Parlement européen, il y a des dizaines de travailleurs, de syndicalistes qui demandent aux députés, pour qui roulez-vous? Est-ce que vous roulez pour les lobbyistes ou est-ce que vous roulez pour les citoyens? Je suis passée les voir juste avant et j'avais envie de leur dire que quand on roule pour les lobbyistes, on roule aussi sur les citoyens. Vous nous avez dit en introduction, j'espère que mon témoignage d'aujourd'hui vous aidera à mieux comprendre pourquoi donner un pouvoir législatif disproportionné à d'énormes plateformes technologiques risque de briser la justice sociale. J'en viens donc à ma deuxième question. Il y a parmi nous, dans ce Parlement, des députés européens et des députées européennes qui répètent régulièrement, un peu comme des perroquets, les argumentaires des plateformes, qui vont s'enfermer dans une salle avec des lobbies qui s'appellent MovieU, qui s'appellent EU Tech Alliance, pour faire pression sur les négociations qui sont actuellement en cours au Parlement européen. Quand, par malheur, un travailleur s'invite dans ces réunions, on lui dit de la fermer et de s'en aller. Chaque fois, il faut négocier nos droits. Nos droits ne sont pas négociables. C'est tout, point barre. Aujourd'hui, soit vous nous mettez une directive, soit vous serez confrontés à tous les travailleurs. Lorsque des collègues se comportent de cette manière, non seulement ils tournent le dos aux travailleurs précaires en roulant pour Uber, mais surtout, est-ce que vous pensez comme moi qu'ils sont complices de la casse de notre modèle social et qu'ils sont en train de briser la justice sociale? Merci. J'étais moi-même lobby en chef de l'industrie. Je sais mieux que quiconque comment faire du lobbying. Diluer les intérêts de tout le monde dans des associations très fortes, qui sont reçues peut-être plus que les autres, ce n'est pas ça le jeu démocratique. Donc j'encourage un maximum de respect pour ceux qui n'ont pas de voix, qui doivent se battre pour être entendus. Et dernière chose que je dirais par rapport à l'interruption de séance dont vous faites référence, c'est que ici, au Parlement européen, on peut parler sa langue maternelle. Et donc un minimum de respect, un minimum d'écoute, c'est votre droit en démocratie. Merci.